Bonjour, vous avez déjà entendu parler du lab? Et si on le visitait ensemble? Mais d'abord le lab, qu'est-ce que c'est? Le lab, c'est un projet issu des 21 engagements du maire formulé lors de la rencontre du personnel en février 2019. C'est un lieu de travail collaboratif ouvert à tous les agents. Vous allez pouvoir profiter de ce lieu pour tester, créer, inventer, expérimenter des méthodes, des outils et des pratiques, et tout ça en équipe. C'est un lieu d'innovation publique, un catalyseur de projet et qui a vocation à améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Imaginé, organisé, aménagé par les agents des différents services, vous allez le voir, ce lieu est inclusif. Tous les agents vont pouvoir se l'approprier. Allez, c'est parti! Salut Mamadou. Salut Luzon. Bonjour et bienvenue au lab. Nous sommes ici au 4e étage de Mécano. Pour réserver, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un mail à lab.courneuf.fr. Après avoir reçu et rempli la charte d'utilisation, vous recevrez un badge au pré-accueil pour vous et votre groupe. Le lab peut accueillir jusqu'à 19 personnes. Il est divisé en 3 sous-espaces, un espace collaboratif qui est juste derrière moi, et un espace numérique au fond, et puis vous avez l'espace des temps qui est juste en face de moi. Nous allons vous présenter à présent l'espace de travail collaboratif. Suivez-moi. Nous voici ici dans l'espace de co-construction, de coworking dédié à l'intelligence collective. Vous avez 3 écrans numériques pour le travail collaboratif, ainsi que des tablettes à disposition. Enfin, vous pouvez aussi moduler les tables comme bon vous semble pour animer au mieux votre session d'utilisation. Je vous amène dans l'espace numérique. Dans cet espace numérique, chacun peut suivre et approfondir ses formations en distanciel. Nous avons également mis à disposition des casques anti-bruit pour pouvoir s'isoler. Et enfin, vous pouvez profiter de l'espace détente pour des moments de convivialité entre deux projets. Des boissons sont mises à votre disposition, vous invite à vous servir de manière raisonnable, et un baby-foot pour peaufiner vos gamelles. Bien sûr, comme le lab c'est un lieu partagé, il y a des règles. On fait attention à ne pas gêner les collègues lorsqu'on passe un appel. Pensez à bien prendre vos équipements avant de partir, à laisser ceux du lab à leur place et à bien éteindre les postes, écrans et tablettes. Fermez les fenêtres et les portes en partant. Et enfin, veillez à la propreté des lieux pour revenir dans un lieu accueillant et chaleureux. Voilà, il n'y a plus qu'à venir vous inscrire pour découvrir le lab. À bientôt.